Hop. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Ok, et donc il y a quatre portes avec quatre portraits comme on a vu. Donc là-bas un flagelleur, là-bas je sais pas quoi, un djinn je crois. Par quoi je vais commencer? Peut-être le djinn. Yann Yansen. Oui. C'est une tactique bien connue. Le destin nous appelle. Tiens, mets une image miroir à R. Parlez. Toi aussi mets une image miroir. Ustan Zadost. Protège tout le monde contre quoi? Ouais, protège à rien. La confiance est l'apanage des fous. Je vais balancer un sort de hâte. Quoi encore? Ouais. Je suis prête. Non, vous trois, vous... Toujours vous prêt planquez. À rendre service, mon grand. Qu'est-ce que c'est? Même sans quatre. Aucun doute. Dépêche-toi, et plus tard je t'ouvre le ventre. Est-ce que j'ai un sort de détection d'invisibilité? Ouais, ça pourrait peut-être servir. Je suis aussi prêt. Bonne tactique. Allez, qu'est-ce que tu veux, moucheron? Sans attendre, sauver de l'oubli. Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu ouvres ça. On fait donc, ce sera fait. Oui. Détecte l'invisibilité, dépêche-toi. Il est là. Le moineau est prêt à s'envoler. Il est là, il est là. Que nos exploits soient comptés à travers les âges. Ok. Hein? Très bien. Ça, c'était la première bestiole. Ici, il doit y avoir un troll fantôme. Voilà un rôle à ma mesure. Hop. Le destin nous appelle. Je serai heureux de danser sur ton aile. Le sang et la gloire et ta mort. Cible disparue. Sans aucun doute. Butez-moi ça, butez-moi ça. Oh. Ouais. Je vais saigner pour moins que ça. Hop. Oui. Faut vite que je l'achève. J'assavoure tes derniers instants de vie. Quand tu veux. Voilà. Ici. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Un Ulitaride. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore un truc invisible. J'aurais juré entendre Golodon. Parlez. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux, mouche? Je pense que tu dis. Mais pas vraiment. Mettez-moi ça. Mâche, il y a intérêt que je sois bien pour. Comment ça, guéri? Ah, c'est chiant, ça. Hein? J'en ai saigné pour moi. Tu le... Attention. J'attends les ordres. Combien tu t'es fait pomper de cerveau, toi? 7 en intelligence. Attention, combien? Oula, 2 en intelligence, tu dégages. Ouais, voilà ce que j'aime. Oui. Hop. Je pourrais comme tu dis. Char guide, le destin n'attend pas. Dépêche-toi, et plus tard je t'ouvre le ventre, ouais. La prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux? Ça va saigner! Allez. Tuez-le! Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait! Ah, il y a une ombre des roches, là! Quoi? Compris! Parlez, certainement! Ah, mince! Oui, je suis pas sourd! Ah, je suis prêt! Très bien! Ok.
Non, non, fais pas Yann ça. Janssen, pour vous servir. C'est pas ça, stupide Kayan. Ah, face à son entrée. Oh, oui, oui, je vois. Embêtant. On a perdu la trace du... Ouais, ce satané unitaride. Construction sommaire, barbare, mais idéal pour massacrer en toute tranquillité, faut dire. Faut qu'on le retrouve absolument, hein. Je vais pas laisser un unitaride en liberté, hein. Oh ! T'es plus invisible, toi ? Ah, c'est cool. Oui, sans aucun doute. Bah, on poursuit. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Il y a un unitaride quelque part ici, et je le veux. Je sais pas où il est, mais je le veux. Hein. Corgan a récupéré. Parlez. Certainement. Il doit forcément être dans le coin. Ça c'est pénible. Hein. Où est-ce qu'il peut être? Où est-ce qu'il est parti, ce satané unitaride? Putain, c'est pas possible. Hein. Il a pas pu s'en aller. Il est mort ou quoi? Attaque unitaride. Il a fui. Je sais pas où. Bon ben. Ben je sais pas où il est. Tant pis. Oui. Tant pis. Sans aucun doute. J'espère qu'il avait rien d'intéressant sur lui. Parce que, ben, c'est raté. C'est perdu. Je suis un jour. C'est barré. Un jour. Alors derrière ce truc là. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. En principe, il y a une ombre des roches. Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Ouais. Dépêche-toi. J'en ai saigné pour moins que ça. Corgan confus. Mais non, voyons il est voir la couleur de tes tripes. C'est quoi? Une ombre des roches normales. Eh ben, une ombre des roches normales qui fait mal. Air. Anneau. Allez, butez-moi ça. Ok. Voilà, 10 000 points d'expérience quand même. Sans attendre. Oui. Couloir suivant. Des mulots en principe. Savoure les derniers instants de vie. Des mulots normaux. Ouais bon, alors ça c'est vraiment une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est? J'attends vos instructions. Reste pas trop de monde quand même. On fait donc une bonne tactique. Mâche est prêt. Je ferai ce que tu dis. Tout ça. Mais va falloir mener. Oh, s'il le faut vraiment. La victoire. Naonata. Reste hein? Pas devant, je te dis. Je dirais que je sois bien payé pour ça. Ce moineau est si tu es sûr de ton fait. J'attends les. J'en ai saigné pour moins que ça. Oui, mon toi, t'as pas d'arme magique. Tu pas un petit air, un soleil, ouais, une mélodie. Ouais,
Cette arme est totalement inutile. Oui, cette arme est inutile. Dépêche-toi. Mais on s'en fout. Laisse-moi. Eh. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Mâche est prête. Je ici. Comme tu dis. Il doit y avoir un golem. Il attaque Corgan, mais non. Tiens. Hein ? Et plus tard, je t'ouvre le ventre. Hop. J'attends les ordres. Oh, mes serviteurs, ils sont vraiment monstrueux. Le destin nous appelle. Et enfin, finir. Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. Est-ce que je t'ai donné des... Non. Ouais, tu vas me faire Bon, ça ne va aller. Bonne tactique. Ici, il y a une jolie pièce. On va rentrer avec mes serviteurs. Hein. Ah. Sans attendre, n'est-ce pas? Ouais, bah sans attendre de remettre tes images miroirs, mais... ouais. Est-ce que c'est piégé, Yann? Sur l'heure, votre grandeur. Vérifie, parlez, hein. Je suis d'accord. Dépêche-toi, ça va saigner. Ils sont comment, eux? Qu'est-ce que tu... Très bien. On fait donc une nouvelle fois appel toujours à moi. Toujours prêt à rendre service, mon Est-ce grand. Est-ce que c'est verrouillé, Yann? Ouais. Je le ferai pour un navet. Sors. Sors vite. Ce moineau est prêt à s'envoler. Dès que tu en donneras le... Oui, mon corbeau. Dès qu'on prend ça... L'oubli. Golem pas content. Le destin nous appelle. Air. Spirale défensive. La porte se ferme. Rien. Comme c'est étrange. Allez, butez-moi ça, dépêchez-vous. Rien. Comme c'est étrange. Tout ce qu'on me demande à Air, c'est de survivre. Rien. Comme c'est étrange. Butez-moi ça. Rien. Comme c'est étrange. Rien. Comme c'est étrange. Et voilà. Et la porte s'ouvre. Je suis aussi prêt. Sans attendre, n'est-ce pas? Ce sera fait. Parfait. Oui. Et ben voilà. Ce sera fait. Alors dans cette pièce... Non, dans la pièce suivante, pardon. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Il y a une jolie Ce machine. Voilà un rôle à ma mesure. Dont on va pouvoir se servir en utilisant les jetons qu'on a trouvés. Mais auparavant, je vais aller fouiller tout ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a là-bas, etc. Parce qu'il y a d'autres jetons que j'ai pas récupérés. Je fais ça hors caméra, Qu'est-ce je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai donc récupéré au total 21 jetons de mithril. J'ai donc les deux cornes sur moi, j'ai récupéré plein de munitions. Des gemmes de toutes sortes que j'ai portées ici. Et ça, je l'ai identifié... c'est où? La corde de l'arc court de Jason, donc dont on a trouvé la hampe précédemment. C'est un objet assemblé. C'est, le destin nous appelle. Je serai heureux de danser Cromwell sur le nain qui fera ça. Si alors là, on peut utiliser des jetons. Cinq jetons, ça donne des bottes de protection contre le froid, des bottes de... Comment ça s'appelle? Des bottes du nord. 10 jetons... des bottes d'atterrissage, 50% de chance de résister à l'électricité. 15 jetons, des bottes de rapidité. Et 20 jetons, une armure, une côte de maille. Ça s'appelle une côte de maille du bouffon dans le jeu de base. Qui t'aime révision, normalement c'est la côte de maille... je sais plus comment ça s'appelle, prismatique je crois, qui protège des couleurs. Bon, 15 jetons, je vais prendre la paire de bottes de rapidité, et puis avec les 5 jetons restants, je vais prendre la paire de bottes du nord. Voilà.
Durabilité. Tiens, bah peut-être pour Corgan. En attendant. Ah, on peut pas. Bon bah à toi. Et il reste un jeton dont on se servira jamais, c'est un souvenir. Ok. Parlez. Ah bah mes serviteurs disparaissent. Ce sera fait. Bon bah j'espère qu'on sera pas attaqué par Body, hein, je pense pas. Je pense que à partir du moment où on a fait cette rencontre, elle reviendra plus jamais. D'ailleurs à propos de cette rencontre. Il faut savoir que désormais, chaque fois qu'on dormira dans l'asile, on se transformera en écorcheur et potentiellement on attaquera le reste du groupe. Donc il faut pas dormir dans l'asile. C'est aussi simple que ça. J'espère qu'on va pas retomber non plus sur l'île Taride. Tiens, Corgan vient ici. Bien payé pour ça. Oui, certainement. On va le soigner. Hein. Le soigner pour pas cher. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. En route. Alors ici, parlez, normalement. Ce sera fait. Ça nous dit que. Ah bah non, ça nous le dit pas. Ça nous dit qu'il manquait les cornes du Minotaure. Et là, on a ouvert la porte. Et on gagne beaucoup d'expérience de quête. Oui. Et on peut ensuite aller au niveau suivant. Je vais pas le faire dans l'immédiat. C'est dans les profondeurs de la Je vais arrêter là la session. C'était assez éprouvante. Plus besoin d'aller encore très à mort. Loin pour nous étendre dans nos Et je reprendrai la prochaine fois pour, je pense, la fin de l'asile. Allez, bye bye.